Coucou! Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec eh bien, toujours la justice et le thème amitié-entourage. Alors la première question, c'est comment faire pour couper un lien toxique avec une personne de son entourage? Alors elle, c'est clair, c'est net, c'est précis. Elle va trancher, elle va décider de couper sans tergiverser, il n'y a pas à discuter. Tu ne me conviens plus, donc on coupe court à toute discussion, c'est terminé. Voilà. C'est du reste, elle, la justice, elle se suffit à elle-même, elle a vraiment besoin en plus qu'on lui prenne la tête. Tout ça, c'est inutile. Donc voilà. Alors, comment me faire des amis? Eh bien, elle, pour se faire des amis, eh bien, elle sait en tout cas se comporter correctement en société. C'est quelqu'un qui est bien vu, qui saura se faire bien voir. Et aussi être conscient alors être conscient de soi, de ses défauts, de ses qualités. Voilà, et même être conscient du monde qui l'entoure. Voilà, elle devra faire attention à tout ça, la justice, pour pouvoir trouver des amis. Alors, comment prendre soin de son entourage sans se perdre? Bien, elle, qu'est-ce que je peux dire? C'est quelqu'un qui verra ce qui est juste pour les autres. Elle le verra, mais par l'analyse et par la pensée. Donc, c'est quelqu'un qui saura faire ça. Elle va pouvoir, pour garder et pour entretenir de bons rapports avec son entourage. Eh bien, elle saura analyser en tout cas chaque personne et se dire, bon, celle-là, elle est bien, celle-là, elle est... voilà, celle-là, elle peut faire ceci ou cela, ou celle-là, je peux faire avec elle, ça ou ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui analyse et qui est là, qui pèse le pour et le contre et qui va faire avec. Voilà, elle va utiliser son mental. Alors, j'ai pu sélectionner, évidemment, toujours... Alors, j'essaie de poser. Bon, alors, je vais le poser sur Bouddha, tu vois. Voilà. Et je lis toujours un petit paragraphe que j'ai sélectionné. Alors, si la justice parlait, elle dirait: le bien que tu fais aux autres, je te le rends. Ce que tu ne donnes pas, je te l'enlève. Quand tu détruis, je t'élimine. Non seulement je dissous ta matière, mais j'efface toute trace de toi dans la mémoire du monde. C'est dire à quel point elle est intransigeante. Alors elle, on ne discute pas avec elle. Très bien. Alors je vous laisse pour aujourd'hui et à très bientôt. Bye bye.